tous et à toutes, c'est Keito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur FF7. Alors, j'ai cherché un petit peu de mon côté, la villa à acheter. Bon, je l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé autre chose qui était bien plus intéressant, mes amis, je peux vous le dire. Et j'ai trouvé, tatin, un bijou de charbon qui nous donne 27 de défense et 14 de points de défense magique. Très clairement, c'est très, très la puissance, hein. On va pas se le mentir, hein. C'est très très la puissance. Du coup, on obtient un emplacement pour Materia en plus. Je pense qu'on va mettre Ifrit. Voilà, très clairement. Ici, on va mettre... on va mettre tout. Par contre, sur elle, on va mettre couverture. Parce que elle, plus sa limite est haute, en fait. Et plus elle attaque deux fois. Donc là, elle a... attendez, je vais vous montrer sa limite. Elle a 1, 2, 3, 4... Elle a 4 limites. Donc elle peut attaquer jusqu'à 4 fois. Et vous imaginez... imaginons, elle fait du 400 de dégâts. 400 x 4... Hein. Vous faites vite le calcul face à un boss, c'est très bien. Voilà, donc voilà. Et en attendant, je continue de chercher la maison, mais j'ai fait tous les bars. Je me suis pas encore attaqué à la plage parce que, en fait, la dernière fois j'avais. Mince, je sais pas. Hop, mince, non, non. Oh, voilà. Non, voilà, excusez-moi. Donc la dernière fois, comment, je pensais avoir fini avec cette ville, mais en fait on n'en a pas fini. On a un truc à faire à la plage, donc on va y aller, parce que de toute façon on n'a rien d'autre à faire. Et alors je pense qu'en continuant un peu, non. Bizarre. Ok. Ouais, bah j'ai dû le louper. J'ai dû le louper. Normalement, il y a autre chose ici. J'ai dû le louper. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Bon, bah on verra pas autre chose, hein. On ne saura jamais que autre chose était ici. Je suis désolé. Voilà, je suis plein de bêtises dès le matin. Voilà. Bon, du coup, nous allons en direction du Gold Saucer. Voilà. Nous partons en direction du Gold Saucer. Oui. Oui, oui, oui. Alors. Tac, 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 tac. Alors, je passe en. Tu permets que je parle, les monstres? Putain. Ça respecte plus rien de nos jours, les monstres. Hein. Ah, lui, il y avait un moyen de le battre. On va voir. On va faire ça. On va faire ça. Et on va faire ça. Je sais qu'il y avait un moyen de le battre. Parce que je crois que c'est un monstre spécial, lui. Hein. Ah oui. Ok. Je crois que c'est un monstre spécial et qu'il y a un truc à faire avec lui, mais je ne me souviens plus de ce qu'on doit faire. C'est légèrement embêtant, effectivement. Ah oui, on passe par ici. Oh, très joli. Hop. Voilà, donc nous allons bien en direction du Gold Saucer, hein, je crois. Encore ? N'empêche, j'adore la tête de voleur fou. Enfin, je trouve qu'elle est trop classe comme arme. Haha. Bon, par contre, il rapporte rien, enfin... J'espère qu'il n'y a pas que lui comme monstre, parce que sinon, je vais bien me faire chier. Pardon. Ah, je me trompe de touche. J'appuie sur le gros rond de la manette Xbox, pour ceux qui connaissent. Ok. Eh, mon vieux, ça va? Fichtre! Eh, tu es en train de me parler, tu sais? Bah oui.
Qu'est-ce que c'est? Je viens de croiser un type là-bas qui portait un manteau noir. Je voulais simplement lui dire que c'était dangereux là-bas et il est passé sans rien dire. C'est Sephiroth. C'est obligé que ce soit lui. Dépêchons-nous. Barrett, il a pas l'air très motivé à la poursuite de Sephiroth, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Monsieur a pas l'air très motivé, hein. Oh, des nouveaux monstres. Génial. Oh oui. Oh, vu ce qu'on leur met, oui. Oh bah oui. Très clairement, ils meurent vite, ces monstres. Bon, sauf le gros rhino, là. Bon, par contre, ils vont nous rapporter max, j'espère. Parce que... sinon, c'est pas cool. Ouais. 27... Ah, 300 gil, c'est pas mal. Comme c'est joli. Un peu aveuglant, mais c'est vachement joli. Oh. Fuck. Rien qu'avec le son, vous avez senti que c'était la Shinra. Bah bien sûr, mais oui. Bon, ça va, ils sont deux comme ça, on va vite les tuer. Ok. Corne. Ah, toujours pas. Ok, bah meurs. Meurs, hérétique. Ouais. Les monstres, c'est des hérétiques, c'est pour ça qu'on les tue. C'est parce qu'ils veulent du mal à notre déesse Pallas. Tous ensemble, protégeons Pallas. Blague à part, qu'est-ce que je dois foutre ici? Oh, je me souviens. Ici. Oh. Effectivement. Alors moi j'aime pas ces monstres. Voilà, parce qu'ils grossissent. Et au bout d'un moment, voilà, ils explosent. Putain, il nous a fait 400 de dégâts. Enfin, pratiquement 500, quoi. Abuseil. Bon, du coup, on va se faire un petit coup de vie. Ouais, et en plus, on gagne rien, quoi. Parce que le mec, il se suicide. On va se faire un petit coup de vie. Non, c'est toi. Voilà. Guéri. Boum. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ouais. Alors, c'est bizarre parce que... Ok. Par là. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je crois qu'il faut continuer sur... ici. Du coup, je sais pas si cet épisode ou l'épisode prochain, mais il va y avoir pas mal de révélations. D'ailleurs, tant que je vous tiens, pour ceux qui suivent mes deux Let's Play, je sais qu'il y en a quelques-unes. Je tiens à m'excuser qu'il n'y ait pas eu d'épisode hier. L'épisode viendra aujourd'hui. J'ai eu un léger contretemps. En fait, je vais tout vous expliquer. Si vous voulez, hier, j'ai tourné un épisode de 35 minutes de FF, de Assassin's Creed. Sauf que bah, j'avais 7 heures de rendu. Pour ceux qui font des vidéos, hein, vous comprenez ce que c'est. 7 heures de rendu, c'est long. Et on devait tourner avec Ryu-chan un épisode de Aura Kingdom. Sauf que mademoiselle, bah son ordi l'a planté. Du coup on n'a pas tourné. Moi j'ai annulé bah du coup le rendu pour prendre le bijou. Maintien à touche directionnelle gauche ou droite à fond tout en appuyant sur rond. Ah, ça j'ai jamais réussi. J'ai jamais réussi ça.
Si quelqu'un a un jour réussi, hein, qu'il me le dise, parce que moi j'ai jamais rien réussi. Bref. Donc oui, avec Ryu-chan, on devait tourner Aura Kingdom. Bah finalement, on n'a pas pu faire parce que son ordi a planté. Et bien sûr, je me suis retrouvé comme un con à avoir annulé mon rendu. Et bah... voilà. Donc c'est pour ça que vous aurez cet épisode juste après. Enfin, juste après, non. Attention, faut pas déconner. Vous l'aurez après... vous l'aurez après... après celui-là. Bon, ça me gaffe, ça j'y arrive jamais. Je comprends pas, ils me disent rond et ça marche pas. Ça me gaffe. Voilà. Alors. Oh, on a attaqué de dos en plus. Voilà. C'est une petite technique que vous m'avez dit de faire dans les commentaires. C'est que avant que le monstre nous attaque, c'est de faire la fuite. Voilà, parce qu'on peut fuir en faisant ça, vous voyez. En fait, en tenant R1 et L1, on peut fuir. Voilà, moi je le savais pas. Et c'est marrant. Enfin, de faire ça pour fuir. Et du coup, on m'a dit fais ça, tu verras, ce sera mieux et tout. Materia transformation. Ouh, ça m'intéresse. À la place de Shiba, ça donne quoi? Alors, transformation mini et crapaud. Ah, c'est amusant. Amusant, mais non. Parce que mini et crapaud, pour ceux qui ont fait FF3, moi j'ai une hantise de ces magies. Ouais, j'ai une hantise parce qu'en fait, si vous voulez, dans FF3, pour ceux qui ont joué, alors moi j'ai joué sur la version PSP, hein. Je suis pas assez vieux pour avoir joué sur la version NES. Mais quand on arrivait à court de magie, qu'on était en crapaud, et bah t'étais dans la merde. Voilà, tout simplement. Alors, là, va falloir se dépêcher. Ah, déjà, c'est bien, on a récupéré une mitraillette. Oui, enfin, j'avais pas dit, mais on a récupéré la mitraillette W, qui est quelque chose de bien, parce que les mitraillettes peuvent attaquer à longue distance. Ce qui est bien, parce que comme ça, au moins... bah, merde. Putain, il lui reste 15 secondes, et après, elle meurt. Enfin, elle est pétrifiée, du coup, elle touchera pas d'XP. 10. 7, 5, 4, 3. Ah, c'est foutu. 2, 1, c'est foutu. Ah, putain. 0. Ah, non, peut-être pas en fait. Peut-être pas. Ah, non, elle a pas reçu. Elle a pas reçu, elle était pétrifiée avant. Du coup, est-ce qu'elle garde son... Non, elle a pas gardé son statut pétrifié. Ok. Alors. Qu'est-ce que vous faites ici? Quoi? Ah, c'est toi. Il me semble qu'il y a un outil dans cette cabane qui permet de manœuvrer le pont. C'est peut-être mieux que nous nous reposions un moment. La cabane est ici. Ok. Bon, d'accord, allons-y. Oui, allons-y. Alors, je vais faire ça en ex... Enfin, non. Ah non, j'allais dire je vais faire ça en accéléré, puisque regardez, j'ai découvert. Ah bah non, ça le fait pas. Ok. Monsieur, il a pas voulu m'accélérer. Je me suis retrouvé comme un con. Parce que je savais pas que l'émulateur avait lui aussi une touche pour accélérer. Je savais pour l'émulateur... pour l'émulateur de Game Boy. Mais je ne savais pas pour... l'émulateur... Ah, c'est bon. Ah, on sent vraiment être avec le nain. Voyons voir ça. Si je tourne celui-ci, peut-être quelque chose. Vas-y.
Ouais, tout ça pour faire moins de trucs, c'est ridicule. C'est ridicule! Bon, du coup, c'est assez marrant parce qu'on voit Iris et Rouge 13 qui sont tout le temps avec nous. Donc, c'est assez marrant parce que. si vous avez regardé Papy Grenier, oui, je suis un grand fan du joueur du grenier. Si vous avez regardé Papy Grenier, enfin. Il dit que les joueurs sont jamais avec nous. Alors je trouve que c'est amusant de voir que si en fait ils sont tout le temps avec nous. Donc monsieur du grenier c'est un menteur. Non je rigole hein. C'est une blague. C'est pas un menteur. C'est une souffleur. Bref. Baiser foudre. Ouais, sauf qu'en attendant, vous me faites perdre du temps, les monstres. Du temps qui m'est précieux parce que sinon, Cloud, il va se transformer en statue. Hein. Donc vous allez arrêter. Hein, et vous allez... stopping. Voilà. Voilà. Alors. Plume d'éclair, sympa. Sympa, je sais pas ce que ça fait, on va aller voir ce que ça fait. Alors, déjà je trouvais une source de pouvoir augment de force, donc on va donner à toi. Contre attaque de feu. Ah, et moteur c'est quoi? Ah, moteur ça doit être pour elle. Éclair 2 sur adversaire. Alors, moteur ça doit être pour toi. Ainsi. Ouais c'est ça, moteur c'est pour toi. Parce qu'on avait ça et... Ok, et j'avais quoi d'autre à dire? Ouais, c'est toi. Et du coup, on va donner ranimer aussi. Et du coup, il y avait deux choses, non? Oui, la cape blanche et l'anneau. Et c'est pas, c'est là-dedans, voilà. Alors, sabre misril. Ah c'est là-dedans. Cape blanche, anti-grenouille ou mini et contre-attaque feu. Et super poignet, ça donne la force plus 10. Ouais, oh, vas-y, on garde force. On va se donner quelques super potions. Alors, juste pour toi, une potion. Hein, parce qu'il faut pas déconner. Et pour toi, super potion. Et pour toi, super potion. Voilà. Voilà, maintenant on continue. On continue. Notre petite aventure. Oui, mes amis, monsieur Jean Mich est là toujours pour nous dire que l'on continue notre aventure tous ensemble. Effectivement, il y a bon. Je pense qu'il n'y a rien, donc on va pas y aller. Alors. Tir de graines. Bon, ça va, ça fait que 11 de dégâts. Vous voulez pas utiliser votre magie sur. Ok. Ils ont dit que nope, hein, il ferait pas sur. Ah, voilà, elle va passer en maximite. Donc, oui 1, oui 2, oui 3. Ah non! On n'a pas pu voir Dolphin. De toute façon, on verra que. Juif, voilà. Alors, on va voir combien ça fait en. Ah ouais. Culbut. Coup d'eau. Ouais. Et oh là là. Par contre ouais, pour réussir l'attaque dolphin, je sais plus comment c'est. Très clairement c'est horrible. Hein. Alors moi je suis sûr qu'il y a un truc en bas. Donc, en fait j'avais dit qu'on va pas y aller, mais on va y aller. Parce que ça sent. Ça sent l'objet caché, hein. En tant que très grand connaisseur de FF, je ne peux que le remarquer. Hein. Effectivement, on ne va pas se mentir. Il faut dire ce qui est. Et j'ai arrêté de être comme ça parce que même moi, ça me surprise. Et voilà, Mister est mort. On est à 20 minutes de vidéo pratiquement. Très très bien, très très bien. On a Miss
Haha! Salut. Bah, fais rien pour moi, hein. Source de pouvoir, source spirituelle et tente. Ah, on a obtenu une tente, génial. Alors, juste, je veux voir. Non, état. Alors, spirituel, c'est esprit. Esprit 48, 51 et 43. Donc l'esprit ira pour Cloud aussi. Voilà. Source de pouvoir à Cloud. Et voilà. Et élixir tout. Rétablit tous les PM. Ouais, on s'en fout. On s'en fout. Voilà, je vous avais dit qu'il y avait du. Il y avait un truc, c'était obligé. Bon, j'aurais aimé une invocation ou un nouveau pote, vous voyez, mais bon. Pas tout à voir, hein. C'est vrai que le nouveau pote va arriver que plus tard. Donc c'est vrai que voilà. Ok, la caméra est super bizarre. Et alors par contre, je vais être sadique, très clairement, parce que je sais ce qu'il y a après. Donc je ne veux pas le faire parce que ce qu'il y a après, c'est beaucoup de paroles, si je ne me trompe pas. Et du coup... Oh merde! Mais pourquoi tu exploses maintenant? Oh fuck! Faites pas la danse de la victoire, vous gagnez rien du tout. Ça se trouve, ces monstres, on peut pas les tuer. Alors, on va se soigner. On va se soigner. Super potion, voilà. Oh, hey. Sérieusement, Mister les monstres. J'espère juste que c'est pas encore une éclipse. Ok, on s'en va. Non, j'ai dit on s'en va. Voilà. Voilà, vous avez vu la fuite, hein. C'est un truc que je vais pas faire souvent, mais là très clairement, enfin, ces monstres sont chiants, je veux dire, tu gagnes même pas d'XP, tu gagnes rien, donc je vois pas pourquoi. Yeah. Ouais, du coup on va avancer un peu parce qu'en fait on est à même pas 25 minutes, donc toi tu. Hé, hey, il est de retour. Attends ici. Et regardez qui est ici. Je pensais plus jamais te revoir. Ces gens là-bas, ils sont avec toi? Eh bien, j'ai pitié d'eux. On dirait qu'ils avancent comme des condamnés à mort, Barrette. Tu vois, beaucoup d'imbéciles revenir par ici. Regarde cet endroit, c'est entièrement de ta faute si Corel Nord est devenu un tas d'ordures. Pourquoi tu ne dis rien? Tu as peut-être oublié ce que tu as déjà fait ici. Je suis désolé. Pff, tu n'en vaux même pas la peine. Ne perds pas ton temps à parler à cette machine bizarre. Ah oui, quand même. Les mecs sont violents, hein. Tu les as entendus? Ils disent que c'est de ma faute si cette ville est détruite. Ah ouais, quand même, c'est... Ah, peut-être que monsieur, si vous voulez survivre, vous devez m'acheter des armes. Bien sûr, on va t'acheter des armes. C'est ce qui m'intéresse très beaucoup. Ah bah finalement, non. Finalement, non. Ici, tu vends quoi? Acheter quelque chose, tout est bon. Que de phénix, tente. Et toi, tu vends les matériaux, je suis sûr. Qu'est-ce que vous voulez acheter? Alors, transformation, baiser de vierge. Ouais, non. On va écouter ton histoire plutôt. Pour aller à la gare d'Esram, prends cette route sur ta gauche. Le tram te déposera au Gold Solcer. Mais. À nous autres, pauvres gens, ça ne nous dit pas grand-chose. Ouais. Y a pas un point de sauvegarde? Bah non. On va aller à droite du coup. Peut-être qu'il y en aura un ici.
Ah ok, on ressort. Ok, bon, et ben on va se laisser là pour cet épisode. On se retrouvera, je vous retrouverai après une petite séance d'XP, je pense. Je pense que ça me fera pas de mal de les monter niveau 35. Voilà. Donc on se retrouvera pour un prochain épisode la prochaine fois. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire et à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et sur ce, portez-vous bien. Allez, ciao ciao tout le monde!